Alors, je présente le président de la Fédération internationale de gymnastique, M. Morinari Watanabe, et moi-même, Ali Zater, président de l'Union africaine de gymnastique. On a eu le plaisir de travailler ensemble ces trois derniers jours au Sénégal, en réunion du comité exécutif de la Fédération internationale et des comités techniques de la Fédération internationale. Autour de l'ordre du jour qui tournait autour des activités de la Fédération internationale, mais aussi et surtout sur les actions de développement en direction de l'Afrique. Il y a beaucoup d'efforts qui sont développés par la Fédération internationale sous l'égide de M. Morinari. Et nous avons aussi parlé de tout ce qui se prépare pour les Jeux Olympiques de 2022, de la jeunesse. Dans ce cadre, il a été question d'une visite sur tous les salles, les salles de compétition, les clubs de gymnastique. Nous avons constaté qu'il y a une véritable passion pour la gymnastique dans ses différentes formes. Et cela a été encourageant parce que nous pensons pouvoir procéder à un héritage au profit de la Fédération sénégalaise après les Jeux olympiques de 2022 grâce à un programme qui sera étudié et avalisé lors de la prochaine réunion qui aura lieu en Namibie dans 3 mois. Donc l'idée est retenue, les actions aussi, qui s'articuleront aussi bien sur la formation des entraîneurs, des juges, l'administration des compétitions et bien sûr l'apport d'équipements nouveaux. Monsieur Morinari a pesé de son poids pour que ce programme soit approuvé dans l'essentiel. Nous attendons juste la budgétisation, le budget qui doit être attribué à ces opérations. Dans 2 ans, nous pourrons dire que le Sénégal et toute la région pourront progresser conséquemment après les Jeux Olympiques. Ça ne sera pas une opération à blanc, comme on dit. Et dans ce cadre, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Nous remercions à l'occasion Madame Albertine Gonzalves, la présidente de la Fédération sénégalaise de gymnastique, qui a tout fait pour réunir l'ensemble du comité exécutif de la Fédération internationale au Sénégal, à Dakar, et qu'ils ont pu voir les progrès, les infrastructures extraordinaires qui existent déjà et les travaux qui se font pour cet objectif capital et qui aura pour la première fois sur le continent africain au Sénégal. Voilà en bref ce qu'on peut vous dire. Je suis Albertine Gonzalves, présidente de la Fédération sénégalaise de gymnastique, vice-présidente du comité olympique sénégalais et membre de la fondation de la Fédération internationale de gymnastique. Je dirige la Fédération sénégalaise de gymnastique depuis 1988 et aujourd'hui nous avons eu l'occasion d'avoir tous les membres de la Fédération internationale de gymnastique. Le président, son bureau, les membres des confédérations, les membres exécutifs et les membres des 8 commissions. Et aujourd'hui, nous avons pu faire le tour des gymnases qui existent au Sénégal, Rufis, Tiaroy, Thiès. Nous avons visité l'Arena où il y aura lieu la gymnastique en JO22 et le gymnase de Dakar, Maison de la Douane. Et nous laissons le soin maintenant à toutes ces personnalités qui sont venues nous voir, venir leur réunion ici, voir comment se comporte la gymnastique au Sénégal. Et en vue des JOJ aussi, comment se préparer à cet grand événement pour 2022.